respecter les États. Les gens viennent, oh ma tête, parce que je l'aime. Je dis, je vous comprends. Vous êtes jeune, c'est bon. Demain, là, quand vous serez en couple là, ce je l'aime là, ça va diminuer. Ou bien ça ne va même pas continuer. Prenez votre temps. Non, vraiment. Moi, je suis prêt, tu es prêt où ça? Il y a des étapes. Ne brûlez pas les étapes. Un vieux m'a dit. Et mon petit, le temps n'épargne pas ce qu'on fait sans lui. Donc, allez à l'essentiel. Il reste 15 minutes. Parfait. Alors, les conditions pour écouter Jésus sérieusement et bien, d'une façon enrichissante, c'est que je vous ai dit, évitez toutes ces formes de bruit-là. N'empoisonnez pas votre vie. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a à vous dire? Je ne vais pas loin. Jésus est venu pour transformer, pas la société, mais les relations entre les personnes. Les relations interpersonnelles. Lui-même, le Dieu qu'il était, il a vécu avec les pécheurs. Il a accepté des prostituées. Les assassins étaient brigands, étaient avec lui sur la croix. Il a tué. Il est venu pour transformer les relations entre les hommes. C'est ça qu'il est venu faire.